Et salut tout le monde, et donc nous revoilà dans le Golden Gate. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Nous avons sauvé Emily et désormais nous devons trouver la clé, le passe-partout pour pouvoir la sortir d'ici. Donc elle laisse réfugier en bas et donc le passe-partout est là-bas. Cependant, je me suis un peu dévié de ma mission afin d'aller chercher les runes si je ne trouve. Alors là il y a une voilà un champ d'os ici. Ah non non, c'était même pas pour les runes en fait que j'étais là, c'était pour la salle d'ivoire. Quelqu'un, je crois que j'ai entendu Mamie Chiffon dans ma tête dire, enfin du moins dans ma tête de corbeau, dire aller à la salle d'ivoire. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais y aller. Dunstan, les Pendleton sont là. Je te signale que t'es en service. Allez, tu dois monter la garde là. Tu vas te faire lourder, c'est sûr. C'est pas croyable. Tu m'as dit que t'avais presque rien bu. Debout! Ok, donc sans le vouloir, je viens d'assassiner Morgan Pendleton, donc le frère de... Le frère de Lord Pendleton qui est au Houston, Loudspit. Je sais même pas comment on arrive à le prononcer. Ok, et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? Y'a quelqu'un? Espèce de mixine. À moi, la carte. Il a disparu. Tirez. Oh. Coupe lui les jambes. Quelqu'un vient ici. Oh non. Alors, j'ai essayé de fuir. Et je me suis fait complètement échirer, je sais même pas pourquoi je suis allé attaquer, j'en avais absolument pas besoin. Je sais pas trop où est-ce que je vais... Bah je pense que ça va être la dernière sauvegarde, hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement aller retuer Morgan Pendleton. Et juste après, je vais bouger, je vais aller chercher le passeport. Le passe-partout, je sais pas, que j'ai pensé qu'il y aurait quelque chose ici, mais non. Ah bah, en fin de compte, je l'ai tué. Allons, on va s'enfuir discretos. On va peut-être passer là-bas. Je sais pas trop ce que c'est le fumoir. Je sais pas. Il a parlé d'un mal. Qui voulez-vous que je sois ce soir, Lord Pendleton? Aucune importance. Le grand superviseur pour ce que ça change. On tient vraiment une bonne. J'ai des amis qui me comparent à Lady Boyle. Waverly, cette petite merdeuse. Je sais que vous êtes... Qui es-tu? Il est là. Ah, encerclons-le. Goûte ça. Attention. Je sais. Accrochez dans la rivière. Prenez soin. On va se calmer, hein. Là, c'est... Il y a un peu de gens, là. Oh là là, mais c'est à chaque fois dès que je vais en assassiner un, c'est le gros bazar après. C'est vraiment relou. En plus, je sais toujours pas où est-ce que je vais réapparaître. Peut-être à la porte.
Je crois que ce qu'il faut que je fasse, j'essaie trop d'y aller en furtif. Je pense que je vais plus y aller à l'arrache avec le flingue. Ça allait beaucoup plus rapidement. D'autre côté, je pourrais tuer tout le monde. Vous voyez, j'essaie d'éviter les gardes pour... Et on est retourné ici. C'est pas grave, allez, on va y aller. Qui voulez-vous que je sois ce soir, Lord Pendleton ? Aucune importance. Le grand superviseur, pour ce que ça change. Je leur tiens vraiment une bonne. J'ai des amis qui me comparent à Lady Boyle. Waverly, cette petite merdeuse. Moi aussi, je paraderais si j'avais trouvé des gisements de cristal sur mon domaine. Je me serais déjà mis le Lord Régent dans la poche au lieu de faire la manche auprès de mes cousins. Je ne voulais pas vous contrarier, mon prince. Attends. Attends. Finalement, c'est ça que je choisis. Ouais, je vais lui donner une petite leçon. Ça devrait me... Avec plaisir, monsieur. Vous voulez me voir en blanc ou en noir ? En rouge, sinon. Laisse-moi y réfléchir. Waverly ne jure que par le noir. À moins que... Floridia ? Eh bien, pour la première fois, j'ai utilisé le pli temporel. Oui, c'est vraiment pratique, en fait, ils ont pas eu le temps de comprendre qu'ils étaient déjà morts. C'est sympa. Donc maintenant, bah, on va, maintenant qu'on a assassiné les deux cibles, donc secondaires, enfin secondaires. Moi. Oula. Et les autres, faire une chose. Ah, c'est par là. Oh, une tête. Une tête qui se balade, pourquoi pas. Alors par contre, je vais rapidement retourner en haut. Grâce au passe-partout, je vais pouvoir ouvrir une porte qui était tout à l'heure fermée à clé. Alors, le charme d'os. Alors, est-ce qu'il est ici? Il me semble qu'il était ici. Je vais rapidement regarder mon cœur, je prends tout ce qu'il y a. Ah bah oui, il est là. Alors, appuyez sur J. Spiritualité augmente légèrement la mana restaurée par les potions. On en a 3 sur 3. Du moins 3 sur 3 sur soi, on peut en avoir plus. Hein. Je le rappelle. Et je la ferme en intention d'ailleurs d'en avoir plus, de toutes les trouver afin d'avoir un maximum de pouvoir, de bonus, etc. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quand même glauque des fois. À l'aide. Alors. Ah bah excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ça. Bon bah allez, on va s'enfuir de cet endroit hyper glauque. On est parti.
Allez, on va se tailler d'ici. C'est ça, mon petit chéri. Venez voir mamie. Je ne vais pas vous manger. Un charme d'os. Génial. Vous étouffez les ennemis plus vite. Je suis contente de te revoir, chérie. Mais ne traîne pas, ou la petite risque de tomber dans le fleuve. Vous l'avez vu ? Je parle du beau garçon aux grands yeux noirs de jais. Je veux juste lui dire qu'il peut compter sur moi. Oui, mamie Chiffon fait son œuvre. Vous voulez bien lui dire, si vous le voyez. Je piche pas tout son délire. Hein. Donc ce sont des... voilà, des génies, c'est vraiment... Ah c'est vraiment dégueu. Ah mon dieu. Vous voyez, c'est... en fait, c'est à force de tuer des gens, et ben il y a moins de gardes. C'est pour ça que je pense qu'il y a plus de géniards. Puis de toute façon, là je suis complètement paumé, je sais un peu où on est. Ah oui. Ou peut-être que c'est juste dans la petite ruelle. C'est quoi ? Ah, hey, c'était quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais que j'ai entendu quelque chose. Aux armes. Citoyen. Non mais... au bataillon. Soit aux agrès. Grand fils de Dieu. On va les autres, si tu le vois. Vous voilà. Il est là. Ah, clochard. Allez, on s'enfuit vite. Je sais que vous êtes là. Hop là. Donc, Samuel est au bateau. Est-ce qu'on n'a pas vite fait une rune à chercher ? Charme d'os ici, charme d'os là-bas, hop. Moi non. Non, on ira plus tard. On va rentrer au bercail, à mon avis il se place plein de trucs pour, avec le retour d'Emily. Voilà, c'est bon. Quoi, Emily ? Prêt à y retourner, Corvo ? Vous n'avez pas perdu de temps. Montez. Allez. Alors, statistiques de la mission. Amy tué 25, cible civile tué 4. Ah oui ! Et les filles qui étaient dans la... Ah oui, bah oui, zut. Alarme déclenchée 0. Cadavre adversaire assommé découvert 7. C'est toujours trop. Hein. Chaos général élevé. Aucune victime. Aucune action spéciale accomplie. Bah si, pourtant j'ai tué les deux frères Pendleton. Enfin bon. Rune trouvée 3 sur 5. Shamdos trouvée 2 sur 5. Hôtel de l'Outsider trouvée 0 sur 0. Tableau de Solokov trouvée 0 sur 3. Pièce trouvée 507 sur 4084. Bon. Donc ça c'était la deuxième... Là c'était... Vous avez vu, c'était la deuxième partie du Golden... Du Golden Cat. Parce que j'ai pas pu tout faire en un seul épisode. Et là, nous venons de retrouver Emily sain et sauf. Du coup, et bon, on la ramène. Un invité royal.
Emily est désormais en sécurité sous la protection des loyalistes. Son bon état de santé était temporairement assuré. Il est désormais temps de s'occuper des alliés encore en vie sur l'ordre régent. L'affaire est réglée, n'est-ce pas, Corvo? Je ne suis pas du genre à dire du mal des autres, ça non. Mais s'il y en a qui méritaient leur sort, c'était bien ces Pendleton. Mais de quelle affaire vous parlez? Une histoire d'adulte, fillette. Enfin, je veux dire, majesté, pardonnez-moi. C'est pas grave. J'ai entendu plein d'histoires d'adultes au Golden Cat. Oh. Bon, je vais me concentrer sur la navigation. Il tourne vachement son bateau quand même. Lady Emily, mon nom est Calista. Je m'occuperai de vous et de votre instruction ici. Enchantée. Moi de même. Voulez-vous voir votre chambre dans la tour? Je peux la voir? Oui, bien sûr. Vous allez pouvoir tout visiter. L'intégralité du Haunt Pits. Bien, je sens que je vais me plaire ici. Je vais suivre Calista, Corvo. On se revoit plus tard. Vous êtes impressionnant. Armé d'une lame, vous avez changé le visage de cette ville. Sans les jumeaux Pendleton, notre Lord Pendleton à nous prendra leur vote au Parlement. En une nuit, vous en avez fait plus que bien des hommes en une vie entière. Je dois encore vous parler, mais pour l'heure, Lord Pendleton demande votre attention. Il a pas le temps de finir. Trouvez Lord Pendleton. Soit. Allons-y. Et où est Lord Pendleton? Ah, il est là-bas. Corvo, la conspiration loyaliste vous remercie pour vos actes. Je ne sais pas si je le peux. Mes propres frères. Nous n'avons jamais cru que vous aviez tué l'impératrice. Il était plus logique que le maître espion, l'actuel Lord Régent, soit derrière tout ça. Aidé de quelques alliés. Nous avons beaucoup dépensé et nous avons pris de grands risques pour vous sortir de prison. Nous l'avons fait parce que nous pensons que vous seul pouvez faire la différence. Oh, et Havelock cherche à vous voir. Alors Havelock, qui est Havelock? Très bien, l'ami. Martin a prévu notre prochaine action. Il y a une note dans le journal de Campbell indiquant que la maîtresse du Lord Régent a posé pour Sokolov, le peintre et médecin royal. Il pourra nous donner son nom. Sokolov vit la moitié de son temps à Caldwin's Bridge, de l'autre côté de la rivière. J'ai bien peur que vous deviez vous rendre là-bas sans plus tarder, tant que Sokolov se trouve dans ses appartements sur le pont. Samuel peut vous rapprocher du pont, mais vous devrez trouver Sokolov. Ramenez-le ici intact, et nous pourrons établir notre prochaine action. J'ai encore du mal à le croire. Évader de Coldridge, neutraliser le grand superviseur, retrouver Emily. Je suis drôlement fier, vous savez. C'est tout maintenant. Bon, eh bien, on va se dire à très bientôt. Parce que on va s'arrêter là et comme ça le prochain épisode donc ce sera sur retrouver Sokolov. Donc merci de regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter, et patati et patata. Et donc voilà. Allez, ciao ciao.